Bonjour à tous et bienvenue dans je ne sais pas quoi. Non, je déconne. Non, bienvenue dans deux présentations que je vais vous faire aujourd'hui. Donc deux présentations extra qu'on va découvrir ensemble parce que je viens de les recevoir. Hein, vous voyez, ils sont encore sous-plastifiés. Et du coup, je voulais faire deux vidéos différentes pour vous présenter chacun des produits. Et du coup, comme c'est une présentation, je peux vous présenter les deux dans la même vidéo. Comme ça m'évitera de faire deux vidéos. Du coup, à suivre, comme j'aime bien faire un peu d'espace entre les vidéos, ça aurait fait que j'aurais fait une vidéo aujourd'hui et une vidéo demain, par exemple. Donc, c'est pour ça que je préfère vous présenter ces deux pépites aujourd'hui. Donc, du coup, alors on va commencer par Dorothée. Donc, là, le nouveau coffret Dorothée, hein, comme vous voyez ici. Franchement, trop plaisir de l'avoir. Donc, je vous avais déjà fait une vidéo, attendez. Voilà. Vous vous rappelez, je vous avais déjà fait la vidéo sur justement ce coffret, les 35 ans de Dorothée, où avec on avait eu justement la carte de membre. Et du coup, donc dans ce coffret-là, si si vous l'avez ou si vous vous souvenez de quoi je vous avais parlé, il y avait tous les titres, par exemple, comme par exemple les deux premiers CD, c'était sur les dessins animés. On avait du Bernard Minet, Ariane, Jackie, Corbier, etc. Et sinon il y avait les musiques des musclés, les musiques des sitcoms, etc. Donc voilà un super coffret que je vous avais déjà présenté. Et celui-là j'avais pas fait de vidéo dessus, mais j'avais pris également. C'était Dorothée justement et l'Éric Rami, le Jardin des Chansons. Donc c'est là où ils reprennent toutes les comptines d'enfants, où c'est Dorothée, toute son équipe qui chante des comptines justement. Donc voilà. Et ici, voilà comme je vous le disais. Hein, donc du coup, regardez, hein, il est encore sous plastique. Hein, donc du coup, c'est pour dire que je le découvre, que je vous le fais découvrir en même temps que je les ai reçus. Donc c'est un coffret 5 CD. Et spécialement les chansons, la plupart de Dorothée. Donc il y a même des chansons, j'ai regardé un petit peu derrière. Et moi qui suivais également beaucoup le club Dorothée à l'époque, et il y a des chansons qui ne disent rien. Donc après, c'est ce qui est pas mal parce que par exemple, quand par exemple, je fais le ménage, et je mets comment ça m'arrive de mettre du Dorothée ou des musiques de mon enfance. En faisant le ménage, et franchement, ça motive. Et franchement, là, avoir ce coffret de Dorothée, donc derrière, vous voyez, il y a 5 CD. Donc, il y en a de la musique. Donc, hâte d'écouter tout ça. Et ça va faire plaisir parce qu'il y a quand même des musiques qui me disent comme la valise. Donc, et mes chaussettes, rouges et jaunes à petits pois. Non, par exemple, voilà. Ouais, il y a plein de. Ouais, l'école des Schtroumpfettes. Les Schtroumpfs, je veux dire, les Schtroumpfettes. Non, les Schtroumpfs, ou la menteuse, vive les vacances. Donc il y a plein de trucs. Donc vraiment un beau coffret Dorothée, quoi. Donc voilà, hein, je ne vais pas m'attarder sur Dorothée. Hein, je vous en ai déjà parlé assez longtemps dans la vidéo où je vous ai présenté justement les 35 ans de Dorothée. Et du coup, voilà, hein, c'est juste pour vous dire que j'ai reçu une autre pépite en album. Hein, 5 albums de Dorothée. Donc ça fait plaisir. Maintenant, on va découvrir ma deuxième pépite du jour qui est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Je l'attendais de pied ferme parce que je vais vous dire, dans les films live, il y en a deux que j'aime bien. Le premier de Claude Zidi et celui-là de Alain Chabat. Donc les autres, aux Jeux Olympiques, Majesté, et puis celui de Canet qui est sorti, moi, il ne m'intéresse pas. Déjà, aux Jeux Olympiques, j'ai pas tenu jusqu'au bout. Au service de Majesté, j'ai pas tenu jusqu'au bout. Et parce que j'ai été quand même curieux, je vais la regarder quand même, mais j'ai pas tenu. Et celui de Canet, il m'intéresse pas parce qu'il y a beaucoup d'acteurs ou actrices dedans, beaucoup, quelques-uns que je peux pas voir. Après, c'est mes goûts, mais je peux pas les encadrer. Donc voilà. Donc et puis depuis le temps, je me suis dit, ce serait bien qu'ils sortent les deux premiers en Blu-ray ou en 4K des super éditions. Donc celui-là il n'était pas en 4K, mais j'étais content de le recevoir. Donc Astérix Obélix, le premier mis contre César, j'étais content de le recevoir fin septembre. Donc bon, franchement, avoir ce film-là en Blu-ray, c'est franchement, même s'il n'est pas en 4K, c'est quand même
un énorme truc pour avoir ces deux volets en. Parce que moi, en Astérix, mis à part les BD que j'aime bien, mais à part dans Astérix, il n'y a que les deux films là et les 10 films d'animation que je suis content de posséder également. Donc, alors, voilà, hein, si on prend dans l'ordre. Donc, j'ai Astérix le Gaulois, hein, un classique des années 60. Astérix et Cléopâtre, dont à la Chabat on avait fait le film. Donc voilà, Astérix et Cléopâtre. Alors, l'un de mes meilleurs, quand même, les 12 travaux d'Astérix, qui est super également. J'adore celui-là. Ensuite, nous avons la trilogie, la trilogie, les trois Astérix de chez Gaumont. Donc, du coup, on a Astérix et la surprise de César. On a Astérix chez les Bretons. Et on a Astérix et le coup du menhir. Voilà. Ensuite, un classique, j'adore celui-là aussi. Astérix chez les Indiens. Voilà. Mon but c'était de les avoir tous en Blu-ray et c'est réussi. Celui que j'ai eu plus de mal à voir, c'est Astérix les 12 travaux. Parce qu'il a un prix de ouf sur Internet et j'ai réussi à le trouver à prix raisonnable sur Vinted. À Vinted, des fois on trouve des pépites. Alors ensuite, Astérix et les Vikings. Hein, celui-là, il a été mal aimé, mais perso, moi j'ai bien aimé. Et aussi, on a ceux de Astier. Donc, on a Astérix, le domaine des dieux. Et Astérix et le secret de la potion magique. Alors, donc, celui-là, je l'ai en Blu-ray. Et. Attends. Attendez. Ah non, il est qu'en 4K. Je crois qu'il y a eu le Blu-ray dedans. Non, non, il est qu'en 4K. Donc, voilà. Donc, les 10 films d'animation, j'adore. Et ces deux films-là. Donc voilà. Donc je vais ouvrir. Donc voilà pour montrer que c'est comme quand je vous avais présenté la vidéo sur Tintin, sur le coffret collector de Tintin. Et ben là, je l'avais pas ouvert, je l'ai ouvert devant vous, hein, découvert également. Donc là, je vais le défaire. Donc défaire le film plastique. Donc pour vous montrer que je ne l'ai pas ouvert. Voilà. Et comme ça, je vais le faire découvrir. Je vais découvrir en même temps son contenu, en même temps que vous. Voilà, donc voilà, et donc il se pose à terre parce que dedans, donc c'est quoi ça? Alors, du coup, ah, c'est ouais, voilà, c'est le coffret numéroté. Donc voilà, c'est le coffret numéroté. Donc, voilà, ouais, certifié en Alexandrie. Cool, j'ai gagné un voyage en Égypte. Voilà, alors là, oh oui, c'est vrai, il y a un poster, donc par où il se trouvera, par là. Oh là 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 là, magnifique. Je vais le mettre en cadre. Ah, il sera magnifique. Franchement, un sublime, un excellent poster. Donc original, donc l'affiche originale du film. Franchement, magnifique. Donc voilà, celui-là, ouais, je vais le mettre en cadre et puis il sera joli, quoi. Donc voilà. Alors, ensuite, ah oui, on a un jeu de société. Donc, le jeu de société, je ne sais pas c'est quoi. Donc voilà. Donc là, j'ouvre le plateau. Voilà. Hop, voilà. Voilà, donc c'est un jeu égyptien. Voilà, il y a le plateau, c'est un jeu égyptien. Donc dedans, alors je sais pas c'est quoi les règles, hein, mais bon, je vais pas lire, on va pas perdre de temps sur le jeu société, mais voilà, donc on a des cartes qui vont avec. Et, ah, c'est pas mal ça. Ah, j'arrive pas à les sortir. Donc on a 4. Ah, voilà. Voilà. Et voilà. On a 4, regardez, 4 dés avec des chiffres romains, donc voilà, donc, j'ai hâte de découvrir ce jeu de société, hein, franchement, hein, voir ce qu'il vaut, quoi. Et bien entendu, le film en 4K Steelbox. Donc, alors. On va le défaire. Voilà. Voilà. Hop. Donc ça, je ne sais pas comment vous faites pour les Steelbox, mais il y a toujours une étiquette. Alors avant, en fait, les étiquettes, je les mettais dans un tiroir, parce que quand j'entends qu'il y en a qui les balancent et tout, moi je les balance pas. Franchement, je les balance pas, parce qu'en plus, il y a l'histoire, il y a... Franchement, non. Mais maintenant, depuis que j'ai vu quelqu'un le faire, le dire sur les réseaux comme Facebook,
Et ben maintenant je le fais. Ah, c'est pas mal ça, une petite pochette pour retirer. Hein, donc ça c'est pas mal, hein, ça c'est bien. Et ça maintenant en fait ce que je fais, c'est que hop, je le plie. Voilà. Maintenant je fais ça et c'est beaucoup mieux. C'est vrai que j'avais pas pensé avant, mais depuis que j'ai vu quelqu'un le dire, et ben je le fais maintenant. Parce qu'avant je le posais dans des tiroirs. Je l'ouvre et je le mets à l'intérieur. Voilà. Comme ça, il est toujours dedans. Donc là, nous avons le film en 4K ici. Ici, hop, hop là. Je crois que... Ah ouais, voilà. Ah ouais, il y a combien de CD là-dedans? Oh, y a... Alors ici, donc le film en Blu-ray. Donc ici, le film en Blu-ray. Donc, ah, il y a même le film en DVD. Bon, après le DVD, j'ai le 4K et le Blu-ray. DVD, je pense qu'il va jamais servir. Mais bon, voilà. Ah, et un film bonus. Ça, j'ai hâte de voir ça aussi, parce que les bonus sur un film, bah, dans un DVD ou un 4K, un Blu-ray, un Steelbox, n'importe quoi. Bref, les bonus sont très 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 importants lors du film. Parce que des fois, ils montrent des scènes bah, qui n'ont pas mis pendant le film ou des trucs comme ça. Et ce qui est pas mal, c'est qu'avec STL Mission Cléopâtre, vu que c'est un film super marrant, franchement, Alain Chabat, il a mis le paquet dans ce film. Même si j'aime bien les deux premiers, entre les deux premiers, Mission Cléopâtre, c'est mon préféré. Et premier après. Et franchement, Alain Chabat, il a mis la barre très 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 haut pour ce film. Et j'ai hâte d'ailleurs, parce qu'il compte sortir une série sur Netflix, il me semble, sur Astérix. Donc là, c'est obligé, je vais regarder. Hein, c'est du Chabat, je vais regarder. Hein. Donc voilà pour le Steelbox. Et c'est un très beau Steelbox. Hein. Regardez hein, la boîte en ferraille. Franchement, un super décor. Et là, vous vous rappelez quand il dit cannabis! Et ben voilà. Non, franchement, ils ont fait fort. Un hein, super coffret. Hein. Franchement, je regrette pas du tout cet achat. Bon, par contre, le boîtier il ferme pas. Je sais pas si vous me demandez c'est pas à cause de la feuille. Ah si, c'est bon. Il ferme. J'avais mal positionné la feuille du. Voilà. Et je le remets dans sa boîte et il va rejoindre ma collection. Voilà. Et j'en profite dans cette vidéo aussi pour remercier des éditeurs comme ESC Distribution, parce que franchement, ESC, ils nous font vraiment des pépites. Et c'est pour ça que je remercie, parce qu'ils vont sortir l'un de mes films préférés de Jean-Claude Van Damme en 4K, et ça va me faire plaisir. Dès que c'est en précommande, je peux vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. C'est Bloodsport depuis le temps que je l'attendais. Mais par contre, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai quand même eu. Alors d'habitude, quand j'ai une qualité supérieure au DVD ou au Blu-ray, par exemple, si j'ai un Blu-ray, j'arrive à choper le 4K. Après, le Blu-ray ou le DVD, je les mets de côté. Voilà, et puis après, je les revends à ceux qui veulent, par exemple. Voilà. Mais il y a des fois, parce que c'est pour éviter d'avoir les films en double, en triple, en quadruple, voilà, je garde la meilleure des qualités dans un film. Et par contre, pour Bloodsport, je vais garder cette édition, même si je vais précommander le 4K quand il sera en précommande. Mais l'édition Blu-ray espagnole avec la VF, bien sûr, parce qu'il n'y aura pas eu de VF, ça m'aurait fait un peu déranger, mais voilà. Le Steelbox, le Steelbox, ouais, c'est un Steelbox. Le Steelbox Bloodsport espagnol de Bloodsport, de Bloodsport, il est magnifique. Et franchement, même quand j'aurai le 4K, cette édition-là, je vais la garder quand même. Donc, il y aura deux Bloodsport côte à côte, parce qu'elle est franchement magnifique. Et ça me ferait mal au cœur de m'en séparer. Donc, voilà pour ça. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai reçu du Dorothée et du Cléopâtre. Ça fait plaisir. Franchement, pour moi, c'est des pépites d'or. Voilà, parce que Dorothée, c'est toute mon enfance, et je donnerais tout pour y revenir en arrière. Et Cléopâtre, franchement, ben, c'est aussi mon enfance, parce que hein, ce film-là, il est de 2003, il me semble. Et du coup, et c'est pour ça que j'attendais d'avoir ces éditions, parce que ces deux films, ces deux premiers Astérix, celui de Claude Zidi et Mission Cléopâtre, ils font partie, un de ces quatre, des films de ma jeunesse. Ah oui, ça, je vais en parler et ça me ferait vraiment plaisir. Par contre, il y a du monde à présenter, c'est vrai, parce que il y a énormément de personnalités connues là-dedans. Mais bon, je vous verrai, hein, je présenterai ça différemment. Je vous expliquerai ça au moment voulu. Donc voilà.
Donc voilà, un jeu de société, une superbe affiche que je vais encadrer. Je vais mettre un cadre autour et puis après bah, accrocher ça. Hein. Et voilà. Et un super steelbox 4K du film avec une pochette. Franchement, un bijou. Voilà. Donc j'en ai fini sur cette vidéo. Donc merci à ceux qui m'ont regardé. Merci à ceux qui me soutiennent, qui likent, qui partagent, qui commentent. Ça fait toujours plaisir la famille. Et bah, je vous tiens au jus pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les amis!